Eh bien, donc nous voilà rassemblés devant la DSDEN aujourd'hui sur la question du pacte Macron-Ndiaye, qui est un pacte proposé aux enseignants et qui porte bien son nom de pacte. Forcément, ça évoque un peu une espèce de tractation qui pourrait être faite entre le ministère, entre l'administration et les enseignants pour permettre une augmentation de salaire. Alors ça a permis au gouvernement de faire des annonces tonitruantes de « on va vous lâcher des tonnes et des tonnes de pognon ». En réalité, c'est y a un socle qui est assez faible, qui ne compense même pas l'augmentation de l'inflation. Et une autre partie qui se fait avec une augmentation, mais en contrepartie de missions supplémentaires qui vont exploser complètement le cadre statutaire d'avancement des personnels et qui va se faire en plus, qui va amener une autonomie supplémentaire des établissements avec les directeurs ou les chefs d'établissement qui vont pouvoir donner des missions en plus à certains qui vont être rémunérés, pas à d'autres, et qui va amener une espèce de foire d'empoigne qui va bouleverser complètement le fonctionnement des établissements. Donc nos organisations syndicales, l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à ce pacte pour la simple et bonne raison que ça s'attaque au statut et que c'est une revalorisation c'est pas une vraie revalorisation. Une revalorisation indiciaire en fait. Dans nos revendications, c'était une revalorisation indiciaire donc qui augmentait les salaires de tous les collègues. Et là, c'est vraiment un boost sur les débuts de carrière en augmentant, donnant exclusivement des primes. Donc finalement, les débuts de carrière vont avoir un salaire qui va être rehaussé et qui va écraser les courbes de salaire pour faire qu'on ait un salaire qui ne progresse quasiment pas tout au long de la carrière. Donc finalement, les collègues qui ont déjà un petit peu d'ancienneté se retrouvent vraiment lésés. Ils n'ont quasiment aucune augmentation de salaire qui ne suit pas du tout l'inflation. Et par là-dessus, on est aussi en mobilisation contre les retraites et avec la nouvelle manifestation qui arrive le 6 juin. Et toutes ces primes, ne compteront pas du tout pour la retraite. Donc encore une fois, c'est des effets d'annonce, des effets d'augmentation. Et finalement, dans les poches des enseignants, on se retrouvera toujours déjà au niveau des salaires européens, ça c'est une certitude. Mais ça répond à aucune revendication des syndicats. Et malgré le pacte qui indique qu'il y a plusieurs, il y a eu tractation, il y a eu discussion et que c'est signé par deux parties au moins, en attendant, là c'est le gouvernement qui agit seul, tous les syndicats ont quitté la table des négociations et personne ne veut de ce pacte. Ils ont d'ailleurs bien du mal à le vendre, donc ils multiplient les réunions auprès des directeurs, auprès des personnels pour essayer de le vendre. Le nouveau directeur académique essaye lui aussi de le vendre le plus possible en disant que ce pacte va améliorer les conditions des collègues et leur rémunération. Mais en fait, là, c'est pas, il y avait le mantra à travailler plus pour gagner plus. Là, ça va être travailler plus pour perdre moins, parce que les collègues vont devoir prendre sur leur temps perso pour faire des missions supplémentaires pour éviter justement de se retrouver dans une situation compliquée financière. Et en plus des missions supplémentaires qui sont en dehors de leur mission habituelle, c'est-à-dire que des enseignants du premier degré vont pouvoir aller enseigner dans le second degré, donc ça casse toutes les règles, toute la réglementation, et c'est un vrai moyen de déréglementer tout le fonctionnement de l'éducation nationale pour, encore une fois, mettre au pas les enseignants et continuer à détruire les services publics, comme c'est engagé depuis des années et des années, à la fois sur la question de l'éducation, mais sur les services publics en général, on le voit dans la santé, les hôpitaux, etc. Et voilà, donc on est mobilisé, on a l'intersyndicale qui est présente aujourd'hui au grand complet, et des rassemblements qui se font dans toute la France, et avec évidemment ce prochain rendez-vous aussi qui est le 6 juin, avec l'appel à la grève sur la réforme des retraites, puisqu'on ne tourne pas la page sur la question de la réforme des retraites, on n'en veut toujours pas, et encore moins dans ces conditions qui se dégradent, et avec des conditions salariales qui sont toujours plus basses. Voilà, la majorité des Français n'en veut toujours pas également, il serait peut-être temps là que le gouvernement commence à écouter la majorité des Français.
Oui, aujourd'hui, mobilisation sur plusieurs sujets. Déjà, le pacte enseignant, c'est-à-dire qu'on mérite une revalorisation salariale. Et au lieu de ça, on nous propose de travailler plus pour nous épuiser plus, puisque le métier d'enseignant est déjà un métier. Et ce n'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, 43 heures par semaine. Et là, on veut rajouter des heures pour grappiller les euros qui manquent sur notre fiche de paye. Donc ça, c'est pas acceptable et on va le dire tout à l'heure, parce qu'on va être reçu par le directeur des services académiques, l'inspecteur d'académie. Et puis bien sûr aussi la réforme de la voie professionnelle, qui est vraiment une honte, hein, puisqu'on va envoyer de la main-d'œuvre à bon marché, c'est-à-dire les jeunes les plus fragiles, les plus en difficulté, devront être employables au plus vite pour notamment les métiers en tension. Je rappelle que nous formons des citoyens et pas des employés. Voilà, ça c'est, on le répétera aussi à l'inspecteur d'académie. Et couvert de tout ça, bien sûr, on donne rendez-vous aussi très bientôt sur la réforme des retraites qui n'est pas terminée, la lutte continue. Donc on vous attend le 6 juin à Auxerre, 14h, et à Sens à 10h. Merci. On vous donne rendez-vous, mais vous le savez déjà, le 6 juin, 14h à Auxerre, 10h à Sens. Hein, toujours en lutte contre cette réforme insupportable et inacceptable. Et puis aujourd'hui, deux sujets qui nous intéressent. Déjà le pacte, mais derrière le pacte, la non-revalorisation à hauteur et légitime réclamée par les enseignants, qui reste, je vous le rappelle, les moins payés et ceux qui travaillent le plus en Europe. Alors que là, on va vous demander de travailler plus pour nous épuiser plus. Alors comme vous le savez, les enseignants français sont ceux en Europe qui travaillent certainement le plus avec 40%.